Dakar, 1er avril 1966, premier festival mondial des arts nègres. Ce premier épanouissement public de la négritude, cette première confrontation entre les cultures négro-africaines, un homme en est depuis des années l'artisan inlassable. Je m'appelle Léopold Sédar Senghor. Je suis aujourd'hui président de la République du Sénégal. Je suis né à Joal, Sénégal, région de Thiès, département de Mbour, en 1906, de parents serrères. Mon père, qui était commerçant, s'appelait Basile Diogoy Senghor, et ma mère, Nilan Bahoum. Je suis entré dans la politique tout à fait par hasard. C'était en octobre 1945. J'étais boursier du CNRS et j'étais chargé de mener au Sénégal une enquête sur la poésie populaire. Et comme j'avais fait partie de la commission chargée d'étudier la représentation des colonies à la première assemblée constituante, mes compatriotes m'ont demandé de me présenter avec Maître Laminguey. C'était ainsi que de fil en aiguille, j'ai été député, membre du gouvernement français, secrétaire général de l'Union progressiste sénégalaise et président de la République. C'est décevant la politique parfois, et surtout quand on est chef de parti et chef d'État, on a l'impression d'être seul, d'une très grande solitude. L'Afrique noire est mal partie. L'essentiel est qu'elle soit partie. Vous savez, l'Europe a mis longtemps à partir, nous aussi. Nous mettrons longtemps à partir, je dis par exemple pour le Sénégal, et je le dis à mes compatriotes, il nous faudra une génération pour ne pas nous passer d'assistance technique, et une génération, c'est le minimum, tenez encore. La France, l'Europe en général, les nations européennes ont mis 100 ans pour scolariser complètement. J'ai fait mon service militaire avec des Français qui étaient illettrés, et j'avais une bonne à Paris qui était illettrée. Et comment voulez-vous qu'en 10 ans, notre taux de scolarisation soit porté à 100%? À Pompidou, j'ai été reçu à l'agrégation, mais auparavant collé à l'école normale Georges Pompidou, lui qui était brillant en tout, a réussi. Je l'ai connu au lycée Louis-le-Grand. Nous préparions en même temps et le concours d'entrée à l'école normale supérieure et la licence S-Lettres. J'étais placé à côté de lui à l'étude. C'était mon meilleur ami avant qu'il ne fût Premier ministre. Quel âge a votre fils, Monsieur le Président? Il a 7 ans depuis le mois d'octobre, depuis le 17 octobre. Et il va en classe? Il va en classe, il est en 9e. Je ne demande pas s'il travaille bien. Ah si, je dois dire qu'il travaille assez bien. Il a été 10e sur 34, je crois, les deux derniers mois. Sur 32. Sur 32, il est modeste. Vous voulez en faire un homme politique? Ah non, surtout pas. Surtout pas. Je voudrais en faire un professeur et sa mère un polytechnicien. Il est vrai qu'il a sans doute de l'atavisme normand puisqu'il est bon en calcul.
Il n'a pas hérité de moi sur ce plan-là. Ça n'est pas un peu difficile pour vous de concilier la vie familiale et la vie d'un homme politique? Ouais, c'est toujours difficile de concilier la vie familiale et la vie d'un homme politique en ce sens qu'on n'a pas assez de temps à consacrer à sa famille. Et je pense que les épouses des hommes politiques, ce n'est pas une situation très agréable. J'ai connu André Gide par hasard. J'étais jeune professeur à Tours. Il devait venir en Afrique et il m'a écrit pour me demander des renseignements. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance et c'est ainsi que nous nous sommes revus parfois. J'ai surtout fréquenté les peintres et les poètes au moment de l'occupation. Ainsi, j'allais souvent au Café de Flore où j'ai rencontré Jean-Paul Sartre. J'allais parfois chez Pablo Picasso et surtout j'ai connu des jeunes poètes comme Pierre Emmanuel, René Char, etc. Je parle des jeunes poètes, évidemment, maintenant ils ont la cinquantaine. Mais depuis que je suis plongé dans la politique, je fréquente beaucoup moins les écrivains, les artistes pas. Mais ce n'est pas un mal peut-être. Je pense qu'on n'a pas un intérêt particulier à connaître particulièrement l'écrivain, car l'œuvre dépasse de beaucoup l'homme. L'œuvre, c'est un fruit de l'imagination et du cœur, et ce n'est pas lié aux anecdotes de la vie quotidienne. Dans notre esprit, le Festival mondial des arts nègres doit être une défense et illustration de la négritude. Nous voulons affirmer d'abord qu'il y a une négritude, c'est-à-dire des valeurs propres à la civilisation nègre-africaine. Deuxièmement, que ces valeurs, n'est-ce pas, non seulement ont joué leur rôle dans le passé, au moment de la découverte de l'art nègre par des peintres comme Picasso, Derain, Braque, Vlaminck, mais qu'actuellement encore dans les œuvres de nos jeunes, par exemple de l'École nationale des arts du Sénégal, qu'actuellement les valeurs de la négritude peuvent être des éléments fécondants dans cette civilisation de l'universel. Et si vous aviez le temps, il faudrait visiter notre École nationale des arts. Vous verrez des jeunes peintres, des jeunes graveurs, des jeunes sculpteurs dans ce moment de jaillissement du génie propre de la race, avec un sens de l'image, un sens du rythme, un sens du symbole véritablement étonnant. Et moi, je suis réconforté quand je vois cela. Actuellement, nous sommes en train de créer une école musicale sénégalaise. Nous avons achevé maintenant une messe sénégalaise et nous tâchons de faire actuellement ce que les Russes, pour prendre cet exemple, ont fait en leur temps. Nous prenons des formes traditionnelles de musique européenne, symphonie, concerto, et nous y mettons de la matière négro-africaine. Nous sommes en train
de revivre l'aventure de la Renaissance ou l'aventure de l'éveil des nationalités au XIXe siècle. C'est quelque chose de très exaltant. On se sent non pas en repos, mais on se sent plus homme parce qu'on se sent en pleine activité, cherchant, créant, et nous pensons que c'est là justement le destin de l'homme.